Et salut à tous et à toutes, c'est Kondrome pour une nouvelle vidéo sur Dark Souls, et ça va pas être assez fort, donc on va faire. J'avais baissé un peu, j'avais peur que ce soit un peu fort. En fait j'ai un peu trop baissé. Voilà. Donc on se retrouve sur Dark Souls, premier du nom. Et on va charger, on va continuer là où on en était. Je sais plus ce que j'avais. Quel était celui où j'avais joué, en dernier en tout cas. Oui, peut-être. Je sais plus, bref, de toute façon, ça change pas grand chose. On se trouve du coup aujourd'hui avec notre cadavre préféré pour. Alors là, il faut que je revoie un peu les touches. Ça, c'est tapé classique. Ça, c'est resté bouclier, ok. Mais ok. Ok. Bref, récupérez votre bouclier. Oui, c'est bon. Ah oui, d'accord. Hop, on va esquiver. On va esquiver. Alors, on va le loquer comme ça. Il faut le temps que je me refasse un peu aux touches. Hein. Et on va. Non. Trop loin. Nickel. Bref, voilà, je me suis décalé un tout petit peu, et ça tombe bien, du coup on voit bien les âmes que j'ai, j'avais peur de cacher quelque chose. On se trouve du coup aujourd'hui pour se détendre un petit peu sur du Dark Souls, enfin se détendre. Alors, si je fais ça, ok, si je fais ça, c'est une roulade. Faut que je refasse, faut que je me refasse un peu aux touches, parce que je vais devoir refaire le truc. Non, c'est bon, parce que j'ai déjà les fioles d'estuse. Non. Voilà. Et donc on devait battre le premier démon de ce jeu en sachant que j'étais une grosse merde et j'avais pas réussi. En même temps, du premier coup, ça allait être un peu difficile. Et au pire, si on n'y arrive pas, il y a une autre technique qui consiste en fait à commencer avec les bombes incendiaires. Et avec les bombes incendiaires, on peut plus facilement. Alors il y a des gens ici ou. Ouais. Il y a des gens. On va attendre qu'ils viennent. Non, en fait je confonds les. Ils enchaînent! Ok. What the fuck, quoi? Ils nous attaquent trop rapide pour moi, quoi. Ne vous moquez pas, s'il vous plaît. Au pire, je recommence pour avoir justement les bombes incendiaires. On va essayer ça, en mode technique de gros clochard, nouveau. On va s'appeler. Bombe. C'est trop long. On va l'appeler B, comme bombe. Voilà, c'est bon. Le sexe. Non. Oui, je sais. Femme. Classe. Mendiant. Don. Les bombes de feu noir. Physique. Ça. Le visage. Allez, roturière. Cheveux. On avait dit. On avait dit ondulé, je crois. Et de couleur. Alors, c'était. Quel est le plus clair entre le gris et l'argenté? J'ai l'impression que c'est l'argenté. Donc, on va mettre argenté, accepter. Commencer, oui. Oula, oui, je refais. Là. The world was unformed, shrouded by fog.
Où je vous le laisse, même si vous l'avez déjà vu, a priori, sinon. Sinon, voilà. Donc, en gros, il y avait des dragons. Ensuite, il y a eu le feu. Le feu qui amène à la diversité. Chaleur et froid, parce qu'évidemment, s'il n'y avait pas de feu avant, il n'y avait qu'un seul truc. La vie et la mort. La lumière et ténèbres, évidemment. Je sais pas si je peux le passer. Non. Et donc dans le feu, il y avait des âmes de seigneurs. Nito, the first of the dead. Qui avait l'air sympathique, Nito d'ailleurs. The witch of Izalith and her daughters of chaos. Ok. Gwyn, the lord of sunlight. Seigneur solaire. Ouais, 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 ouais. Je sais tout ça. And the furtive pygmy, so easily forgotten. Aussi, au début, je voulais faire Dark Souls 3 avant Dark Souls 1, mais en fait, il se trouve que avec tout ce que j'ai vu, j'ai presque comment dire, le genre de fascination pour le 3, malgré le fait que j'ai jamais touché. Du coup, j'ai peur en fait de le faire, mais mal. C'est pour ça en fait, surtout que. Là d'ailleurs, vous devez peut-être m'entendre moins bien parce qu'il y a le son à fond à les oreilles. Mais voilà, j'avais peur que ça soit. De le gâcher en fait. De vous montrer mes mauvais, parce que je suis mauvais et tout. Donc je me dis, je vais me faire un peu la main sur le 1. Puis voilà. Parce que le 1, je l'ai un peu moins sacralisé dans mon esprit quoi. Vous savez tout. Thus began the age of fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Okay. Even now there are only embers. Sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Youpi! Bon. On a déjà vu tout ça. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Je sais tout ça. Je suis joué une bonne demi-heure cette fois-ci, comparé à la dernière fois où j'avais joué vraiment presque 25 minutes à peu près. Et on est en mode dégueulasse. C'est dommage. Puisqu'on est en mode bien que quand on se remet en mode genre en humanité quoi. Coucou. Allez. On est chaud patchat. Vas-y, lève-toi.
Voilà, vous voyez que j'ai bombe incendiaire noire, et bah, il se trouve que ces bombes incendiaires noires font du dégât. Ouais, je sais, je sais. J'attaque quand même vite avec ce petit bout d'épée. Bon, en même temps, il fait pas très mal. Donc voilà, tout s'explique. Je suis une grosse sous-merde. Je viens de gâcher une bombe. Bon, au pire, c'est pas grave. De toute façon, je sais pas. Ça devrait aller pour le premier boss. Normalement quand on regarde des gens faire ce jeu avec les bombes, en tout cas, ils en utilisent genre 3, 4, 5. Après, ça dépend comment je me démerde, quoi. Grimpe. Donc après je suis une vraie sous-merde. Donc c'est possible que ça me prenne plus de d'essais quoi. Ouais, il y a un feu, je sais. Feu était allumé. On peut se reposer près du feu si on a envie. Juste pour le kiff. Et on y va. Alors, est-ce que j'essaie de le faire comme ça avec les bombes ou est-ce que j'essaie quand même de récupérer mon équipement à côté? Non. Ouais, je prends quand même assez cher. Je vais essayer de le viser quand même. Non, je gère très très mal mes roulades. Prochaine roulade, mais je peux réussir à le tuer. J'ai tué. Et voilà. Bon, j'avoue, c'est un peu du, c'est un peu pété avec Non, 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 non. C'est un peu pété comme ça avec ce personnage. Enfin, avec la technique des bombes. Mais c'est une technique qui marche. Je vais quand même aller récupérer. Donc là, je vais sauvegarder quand même avec ça. Je vais quand même aller récupérer au moins mon équipement de base de mendiant. Parce que là, j'ai vraiment rien en fait. Hein. Oui, ça devrait aller. Massue. Comment j'équipe déjà? J'ai peur qu'il me tire dessus maintenant. Attendez, je crois que c'est là. Massue. Il y a le grand marteau du démon, mais je m'y risquerai pas trop. Youpi! Désolé, hein, j'ai pas trop le temps pour toi. Je vais aller récupérer du coup les fioles d'astuces. Parce que là j'en ai pas pour l'instant, je peux pas me soigner. On va faire ça. Normalement il y a la boule qui va descendre. Voilà. On va rencontrer monsieur. Non mais je suis fort, hein. Avouez. J'avoue, j'ai utilisé une technique de lâche, j'avoue. Perce au ciel. Puis mes derniers instants. Ouais, mais toi, tu peux cacher ta laideur derrière ton équipement. Moi, je n'ai pas d'équipement. Exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou
Sharpener. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask. An undead favorite. Okay. Oh. Merci. Now I would hate to hurt and thank you. Hop, et là, je vais prendre des fioles d'estus pour me soigner. Nickel, alors. Est-ce qu'on peut passer par là? Oui. Ça nous amène où? Ah, ça nous amène ici, ok, nickel. Alors, ce qu'on peut faire, c'est utiliser l'humanité. Et aller se reposer au feu, et normalement on sera de nouveau humain, je crois. Ça marche peut-être pas encore, mais... Ah, ça marche pas encore. Non, j'ai claqué l'humanité pour rien, du coup. Bon. Puis, ok. Alors, du coup, on va ouvrir ces portes-là. Ici, je crois pas qu'il y ait vraiment d'ennemis. Viens jouer, continue tout droit. D'accord. Ouais, continue tout droit, mais il me semble... Alors, encore une fois, vu que j'ai vu pas mal de speedrun de ce jeu-là, il me semble qu'ici, il y a un truc caché. De toute façon, dans les Dark Souls, il y a toujours des trucs un peu cachés, donc j'essaierai de fouiller, de toute façon, une âme de truc. Parce qu'en fait, on perd pas son inventaire quand on meurt. Mais on perd les âmes qu'on a, donc les trucs que vous voyez juste là. Ça, si je meurs, ça tombe à l'endroit où je suis mort, et si je remeurs, ça s'envole et j'en ai plus. Truc à droite à gauche, non. Bon, on va continuer tout droit, là. Rien. Bonne chance. Merci. Normalement, vu que j'ai consommé en fait une humanité au prochain feu, qui sera à mon avis le premier vrai feu, on va pouvoir. Ok. C'est mon taxi. Sois bien réveillé. Hein. Laudren. Intéressant. J'avais hésité aussi à mettre ma caméra juste au-dessus en fait de là où il y a les pièces, mais vous voyez que dans ce genre de cinématique là, ça aurait été moche. Bon, j'avoue que vu que je commence mon dur, j'ai absolument pas d'équipement et tout, et c'est un peu bizarre. Enfin, c'est un peu plus moins classe que si vous aviez un chevalier en armure et tout, mais j'aime bien. Ouais, succès atteint de Laudren. Repose-toi au feu, et voyez que il y a marqué redevenir humain. Oui. Et donc je vais reprendre une apparence humaine. Ouais. Quitter. Quoique non, j'ai des âmes. Donc attendez, j'ai des âmes. Et on va pouvoir peut-être gagner un peu. Alors vitalité c'est la vie, volonté c'est une bonne question, l'endurance, la force, la dextérité, la résistance, l'intelligence et la foi. On va peut-être monter un l'endurance, la force et la dextérité. Est-ce que j'ai assez? Oui. Et voilà, vous voyez que je suis redevenu humaine. Bon, j'ai moins pu choisir mon perso que c'était le cas... Oh, j'ai récupéré une humanité, ok. Que c'était le cas dans le... dans Dark Souls 3, mais bon. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Ouais. Of the undead, right? Well,
there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. T'es un peu pessimiste, toi, hein. Well, since you're here, let me help you out. There are actually two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins of Light Town. Ring them both, and something happens. Ok, deux cloches, une au plus haut, une au plus bas. Si on fait toutes les deux sonner, il va y avoir quelque chose. Autre chose à me dire ? Ouais, tu me rappelles la même chose en fait. Salut. Alors, est-ce qu'il y a des petits trucs dans la zone qu'on pourrait trouver ? Ou pas. Je vais traîner encore un petit peu, hein, de toute façon. Salut toi. Y'a rien derrière là-bas ? Non. Bonjour, je crois que nous avons déjà été présentés. Je suis Petrus de Toroland. Ok. Ok. Ça te dérange si je casse les pots ? J'espère pas trop. Je pense jamais il pourrait avoir des trucs dedans. Et voilà. Alors en soi je devrais peut-être prendre ma massue plutôt que la petite épée, mais la petite épée frappe tellement vite que c'est tentant de la garder. Je sais pas ce qu'il y a par là moi. Je vais pas explorer un peu, qu'est-ce qu'ils me disent? Back, emote. Ok. Je m'en fiche. Des trucs. Oh. Il y a un genre de bassin ici. Avec un coffre ouvert. Dommage. T'as des trucs intéressants dedans. Hop. Courir un peu. Continuer d'explorer un peu, hein. Hop. Qu'est-ce qu'il y a par en bas ici? J'adore la musique. Salut. Pas de réponse, elle ne parle pas. Renforcer fiole d'estus. J'avais envie de lui parler. Pas de réponse. Ok. Bon bah au revoir. Ça fait plaisir d'avoir fait ta connaissance. Je suppose. Alors on va remonter. On est à combien? On en est à 23 minutes. Bah écoutez, on va continuer un petit peu, hein. Essayez postérieur. What? Alors du coup je sais pas si c'est le plus rentable, c'est quand même de garder mon épée. Je peux quand même frapper pas mal de fois. Et avec l'autre. Ouais, je suis quand même assez lent. Salut. Mince. Non. Il fait quand même plutôt mal, mais c'est vrai que je suis plutôt lent là. Il y a un truc là-bas. Attendez, je vais essayer du coup avec l'autre. Ok, il y a un mec qui balance du feu ou quoi? Si je les fais renverser comme ça, ouais. On prend ce qu'il y a ici et on se casse. Allez. J'avoue, j'aime bien la massue, du coup, elle est plutôt puissante. C'est lui qui balance des trucs là. Alors, déjà, on va. Estus. On va rechanger.
Non, c'est trop rapide par rapport à moi. Faut que je fasse gaffe au timing de mes attaques. Toi, tu veux venir? Ok, nickel. Je suis désolé si j'ai ma tête de concentré. Parce que je suis concentré. Donc normal. Touche de sang, ça fait quoi? Je crois que ça montre ce que les autres joueurs ont pu faire. Alors il y a un truc devant, on va aller voir. Âme de mort-vivant, ok. On va continuer un petit peu. Ouh, il y a un truc ici. Il y a un rat. Yeah. Je peux aller en face ou pas? J'ai vu qu'il... On va essayer d'ouvrir? Non. Alors on peut aller ici. On va essayer de continuer un petit peu. Qu'est-ce qu'ils me disent? Bonne chance. Ok. Tu viens? Si, viens. Rect. Village des morts vivants. Tu viens? Rect. Super. Ok. Tu viens. Ouais, toi tu l'as fait. Toi tu veux jouer la bombe en fait. Hop, rect. Oh. Faiblesse roulade. C'est-à-dire... Ça se détruit la roulade, c'est ça? Ok, j'y ramasse rien de spécial, mais... C'est marrant. Ok, jusque-là ça va. Alors, bah, on va continuer, hein. C'est qu'il faudra faire revenir tout ça en arrière pour avoir un feu. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Non. Rien de bien passionnant ici, donc on va continuer à monter. Là, ça se sépare en deux. Voilà, ça a l'air d'être juste une fenêtre, donc on va continuer par ici plutôt. Oh, petit lag. Ok. Il ne faisait que passer. Bon, voilà. Super. Humanité? Pourquoi faire? Tiens. Non. Putain, je me trompe de touche. J'ai envie de faire X en fait. Zone sûre. Ouais. Et ça c'est une zone sûre peut-être. Non. On va aller là. Hop. On se casse. Est-ce qu'ils me suivent? Le père de monsieur. Okay. Je peux aller ici.
Bah alors, t'es qui toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comme ça? Ok. Parler. You seem to have your wits about. Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale. Things are getting treacherous and horrible. Dangereux, monstrueux démon, l'apparence de Book s'est installée plus bas. Plus haut sont les dragons titanesques et un démon taurin. Ça sympa. Poudre de réparation, couteau de lancer, bombe incendiaire, talisman de Lloyd. Ok. Dague, épée courte, cimetière, rapière, hache, massue, gourdin, lance. Ok. Des flèches. Oh, de l'armure. Est-ce que ça coûte cher? Oui. Je crois. Ok. Je suis ruiné. Thank you kindly. Calme-toi. Je suis un peu flippé, hein. On va essayer de mettre du coup ce qu'on a acheté. Bah. Voilà. Bon, ouais, c'est pas mal. Et si je crame ça? Essaye Yata dans le dos. Ok. Est-ce que je vais pouvoir m'acheter le haut? Ok. Bonjour. Oui, c'est encore moi. T'es fou. C'était où? C'était là. 800. Ok. C'est super cher. Oui, oui, oui. Ça serait où? Ça serait là? Ouais. C'est moche. Mais on va le garder pour l'instant, non? Ouais, je sais pas, je crois que je vais le garder quand même. Mince. Julia, Julia. Clé, immunité, stédatite. Ushikatana. Oui. J'ai récupéré des trucs sympas. Ça. On va mettre l'ou... Ouais, ouais, t'inquiète pas. Donc j'ai pas le droit de manier cette arme là, mais je crois que si je suis à deux mains ça devrait aller, non? Yeah, oh, c'est la classe. Si vous voulez mon avis, c'est plutôt la classe. Alors on va se casser parce que on va aller sauvegarder. Et j'ai récupéré une belle épée, je suis content. Fou, putain il tire loin. Calme-toi mon gars. Alors, on va retourner au feu qui était là-bas. On va sauvegarder et on va se laisser là. Je pense qu'on aura fait une bonne petite vidéo sur, sur ce jeu. Je continuerai. Ouais. Classe. Bon, du coup, je peux pas avoir mon bouclier avec. Parce que sinon, j'ai pas la capacité de les manier. Il faudrait que je regarde ce que, de quoi elle a besoin. Oh, tu es revenu, toi. Vas-y, attaque. Non, empoisonnement. Vas-y, attaque. Non, fuis, 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 fuis. C'était une mauvaise idée. Salut. Oh, vous êtes revenu, vous. Non. Je vais me faire défoncer, je vais me faire défoncer. Ah, je me suis fait défoncer. Bon, c'est une mauvaise idée, cette touche canada. Je vais être mort. Non, allez, je vais aller récupérer mes armes. Et on se laisse. Je peux rester sur ça.
Alors. Non. Prends pas ça. Changer équipement. On va changer ça. On va reprendre ma massue. Voilà. Alors. Alors, on va récupérer ce qui nous appartient. Oh, je suis dégueulasse comme dans cette armure. Voilà, comme ça, on peut se protéger. Sans bouclier, ça risque d'être un peu compliqué. Non, putain, je me trompe de touche encore, ça m'énerve. Ça va rester longtemps, ça. On fait gaffe à l'autre, parce que l'autre, en haut, il va nous lancer des trucs. Voilà, je l'ai pas oublié. Ouch. En même temps, non. Et voilà, je ne peux pas des armes super. J'adore ce jeu. Bref, on va cesser là pour aujourd'hui du coup. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à partager si vous voulez d'autres vidéos sur Dark Souls. Et puis je suis redevenu une carcasse dégueulasse. Bref, plein de gros bisous et à la prochaine. Salut!